plus de dégâts là. Non, non, je préfère les gros dégâts sur le pompe. Autant le pompe, ça vaut le coup d'avoir vraiment des gros dégâts. Donc ça, je vais le laisser. Ça, ouais, c'est sûr et certain. Autant pour le fusil, c'est à tester. On va voir ce que ça donne en mode sniper. Yep. Sinon, je laisserai en mode rafale parce qu'en mode rafale, c'est un bon intermédiaire finalement. Je suis en train de traverser. Bah, en mode rafale, des fois, c'est un bon intermédiaire. C'est surprenant, mais c'est pas mal. Un instant. Ça peut être pas mal. Je dois d'abord m'attaquer à une base d'insurgés. Des fois, par rapport à quoi? Quand t'es avec un sniper et mais qu'il y a un peu de mode rafale. Moi, j'avais eu ça à un moment donné. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? J'ai pas dû entendre ce que tu m'as dit, j'étais aussi en train de regarder mon équipement. J'ai cru que t'avais dit que t'avais une arme qui avait un mode rafale. Le fusil d'assaut. Ah, le fusil d'assaut. Le fusil d'assaut a trois modes. Un mode basique, où il tire continuellement. Le mode rafale, qui s'appelle tactique dans le jeu, où on tire deux balles par deux balles. Et le mode sniper, où il tire une balle par une balle. Et il y a des différences dans les taux critiques. J'en parle depuis tout à l'heure quand même. Il y a des différences entre les taux critiques, les dégâts qu'ils font et la cadence de tir. Ah bah oui, vu que t'as trois modes, oui, effectivement, il doit y avoir des différences sur tous les trucs. Ouh ! Oula ! Pas de dégâts ? Ah si ! Ouais, c'est balle par balle, quoi. Ouf, merci. Par contre, j'envoie du lourd, effectivement. Je tire sur les points critiques. Ouais. J'envoie du lourd. Mais je pense que c'est pas le mieux. Je préfère peut-être le mode rafale quand même. Allez, on meurt les gars là. On arrive en plein milieu. Pas ouais, tant que ça. Hein. Nous ont laissé le temps de nous préparer au départ. Oula, oula, oula. Je prends quand même très très cher. Oh, le mode me va pas m'aller du tout. Ouais, ça te va pas là. Non. La cadence est pas assez rapide, c'est ça le problème. Ouais. Je vais là-haut. J'aime bien te voir te téléporter par moment. Je téléporte pas. Ah, l'écran, ça fait comme si tu te téléportais en fait. Moi sur mon écran en tout cas. Je me téléporte pas. Techniquement, enfin, je pense que ça fait comme si je me téléportais, mais techniquement je me téléporte pas parce que c'est juste je vole vers eux. En fait, je plonge. Ouais. Je me mets en l'air et après je fais yo blum. Par contre, je crois que l'illusionniste, effectivement, lui, se téléporte. D'accord. Non, non, mon personnage, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait... Il monte en l'air. Et après, je choisis une destination pour plonger sur les gars en mode météore, quoi. En mode météore. Il y a un petit texte ici. Allez, effectivement. Naze. Un genre d'écriture. Un genre d'écriture. c'est carrément une écriture, mec. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de petits textes d'ailleurs. Oui. Ça me manquait. On se disait c'est fini, il n'y a plus de petits textes, tout a brûlé. Du côté araignée en tout cas. Ou gelé. Ou gelé, effectivement. Ils ont des véhicules et tout. Ils ont pris le temps de s'installer. Bah c'est important hein. J'imagine qu'il y a des endroits, je pense que c'est juste des rebelles de gens qui étaient déjà positionnés qui ont dû rejoindre le combat des insurgés. Possible. Oh putain, là par contre, on n'est pas à notre avantage là. Oula oui, effectivement. Ça va être un enfer de finir comme ça. Oh punaise. La vache, ils sont résistants. Hein. On prend un niveau, les mecs ils prennent direct. Ils sont beaucoup plus élevés. Par contre, j'ai l'impression que la montée, tu sais, de niveau de monde est plutôt pas trop mal faite. Oui, 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 je pense que la montée de niveau de monde, elle est pas si mal que ça. Enfin, elle est pas déséquilibrée en tout cas. Ouais, ça a l'air assez équilibré.
Parce qu'il y a, on a une jauge à monter avant de passer au niveau suivant. Et je trouve que c'est plutôt intéressant comme méthode. Attendez les gars, j'arrive. Fais quoi toi là en bas? Quoi? Tu te calmes. Oh là la vache. Ah, j'ai le capitaine qui est pas loin. Ok. Il y a deux capitaines. Oh, po. On va y aller progressivement. Ça. Par contre, il y a les snipers qui m'emmerdent. Faut qu'on utilise les décors à notre avantage. Ouais, ouais. Allez, je viens de voir le capitaine là-bas. Attention, bombe sur toi. Sondi, elle est trop bien installée là. Ah, c'est des blindés. Les deux. Ok. Je pense qu'il faut aller un peu à droite, un peu à gauche, histoire de les ouais. faire bouger. Qui me parle? Qui me parle? Qui me parle? Non, je c'est ne suis pas. Le sniper. Là. Ouais, je pense qu'il y a un snipe. Ah oui, non, mais il y en a un depuis tout à l'heure, mais. Ouais. Je disais, je pense que c'est lui qui te parle. Oh, je peux pas grimper là, grimpe. Sors ta tête, toi. Je vais essayer de prendre des snipers à revers si je peux. Ouais, vas-y, vas-y. Putain, les deux capitaines sont en train d'arriver vers moi. De bourriner les mecs qui sont au-dessus. C'est tendu. Heureusement que j'ai le truc du golem pour améliorer la durée. Ouais. Ouf. Je peux te dire que là c'est bon, hein. Les mecs, j'en ai fait 5 d'affilée, les gars. C'est bon, j'ai éliminé le au-dessus. Ok. Il n'y a plus que les deux capitaines. Sois à côté de moi. L'augmentation de durée quand tu tues les mecs, oh, c'est super bon. Il y en a un qui est bien entamé, je t'aide. Ouais, ouais. S'il y a besoin, grimpe vers moi. Hein. Ok. Mais tu vas mourir, toi, ma coquine. Allez, meurs. Voilà. Regardez, il est résistant. Et là, il y a l'autre. Tu l'as tué l'autre? Ouais, l'autre il est mort. Ah, super. Merde, j'ai plus de résistance, ça y est. Alors, pour éliminer les mecs, c'est vrai que c'est pas mal le golem. L'augmentation de durée, mais contre les boss, c'est un peu plus tendu. Mort. Ouais. Et B. On a mieux géré que ce que je pensais, honnêtement. Bah, ouais, mais en 5 prenant. Entre guillemets, en faisant attention, en avançant pas à pas et tout, on n'est pas si mal. Non, puis on arrive naturellement à se séparer au niveau des trucs à faire. Ouais, ouais. Le fait que je puisse me... C'est pour ça que je garde le coup de ce TP, comme tu dis. Oui. Parce que je peux me facilement contourner les mecs, les prendre à revers, me mettre en mode golem et les éliminer rapidement. Et après te rejoindre pour éliminer les boss. Ouais, pour éliminer les boss. Enfin, pendant que toi t'occupes les boss et puis éliminer les boss. T'as pris une grosse mitrailleuse. C'est le gros fusil d'assaut. T'as pris la sulfateuse. Il y a que des monstres, des insurgés ici, pas vrai? Alors pourquoi se j'aime battre bien. Quelques rochers? À cause de cette tour. Vous comprenez pourquoi nous l'avons construite, n'est-ce pas? C'était notre dernier espoir de trouver ce signal, mais ça n'a jamais fonctionné. L'anomalie générait trop d'interférences et sans la fréquence, impossible de le pister. Les insurgés ont fini par capturer la tour, massacrer tout le monde sans savoir à quoi la tour servait. Cette montagne aurait pu tous nous unir. Au lieu de cela, ça a été une déception de plus. Et après tout ça, vous essayez toujours. Pourquoi? Parce que... Parce qu'il garde espoir. Toi ici, il y a un truc en quoi pour vrai. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'ils parlent... Ils arrêtent pas de nous dire que l'électronique a sauté, mais ils ont comme fait cette tour pour pouvoir capter un signal via les ondes radio.
Faut bien l'électronique pour faire fonctionner. Les trucs, je comprends pas par contre. Dans l'histoire du jeu. Oui, parce qu'ils disent que normalement ça marche pas, il y a plus d'électronique, que l'anomalie perturbe tous les systèmes électroniques, mais. Ouh, il y a eu. Un petit massacre ici. Il y a eu du mort, ouais. Est-ce que tu crois qu'il a été envoyé contre le mur, le gars? Je pense que c'est une probabilité. Oula. C'est quoi cette musique? Tadam. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? On a encore une grosse araignée? Ah, il y a une caisse ici. Yep. J'étais en train de chercher de voir s'il y avait des trucs, justement. Du texte ou autre. Coucou! Ah, ça arrive. Ils nous attendaient visiblement, les messieurs. Excusez-moi, j'ai pas mis mon feu sur mes armes. Hey, mais c'est un oubli. J'ai un truc de jet, j'ai l'impression moi aussi sur le mien. Attends, faut que je check. C'est quoi ça? Ah, c'est encore un petit. Okay. Il y a juste un truc. Ankylose. Ah oui, si ça rechargeait votre arme, inflige l'altération d'état gel. Oh. Sur tous les ennemis que j'ai touchés. Ah ouais, donc c'est intéressant que je touche plusieurs ennemis, que je recharge. Et je les gèle. Ah bah oui. Ah oui, d'accord. Mort lui. Allez, meurs. Voilà. C'est important de mourir, tu sais. Et là, je fais ça, hop, ça le gèle. Ah ouais, c'est rigolo. Moi, j'adore les. Eh oh, tu fais quoi, toi? On t'a déjà dit, on prend pas les dames comme ça, pas surprise, par derrière. Ça va pas. Ça, c'est toi qui le dis, hein. Non, mais attends. Oh, et toi aussi, là. Tu fais quoi, ici? J'adore les empêler. C'est la meilleure arme du jeu, là, normalement. Oula, je suis un peu trop avancé. Ouais. Je me suis un peu trop avancé. J'arrive. Ouais, merci. En fait, j'avais pas vu les autres. Ouais, back. Recule. Je recule. Attends, même là. Attends. Reculer pour mieux avancer. Oh, le coup du gel, c'est énorme. Ah, les effets des armes sont top. On a un café splouch. Ah, c'est vrai qu'il faut que je pense à avoir l'effet saignement pour faire les empalements. C'est vraiment pas mal ce truc. Attendez les gars. Bouh. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une combo de golem, puis après je fais empalement sur les mecs. Ah oui, c'est pas mal ça. Quand je vais les prendre à revers, quand je vais prendre plein de mecs d'un coup. J'ai la clé. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est du travail bien fait. Ça c'est bien. J'aime bien leur système de clé, c'est... En fait, c'est une poignée quoi. Oui. Finalement, autant faire simple. Exactement. Ah, c'est peut-être un raccourci qu'on a vu de l'autre côté. Peut-être. Oula. C'est rien, c'est ma gourde. Tout va bien. Razia vient de renverser après avoir pété son ordinateur. Elle a pété son clavier. C'est pas vrai. J'ai pas pété mon clavier. Maintenant, je sais pourquoi il est mort, le PC. Non. T'as eu combien là? J'ai pas fait gaffe. Oh là là, on a que des gros là. Oh putain. C'est bon. Meurez. Je vais le maintenir gelé. Il peut pas bouger. Tiens-lui dessus. C'est ça ce que je fais. Oh putain. Je bouge. Y'a trop de monde. Oh, ça va être chaud là. Non, c'était pas lui que je voulais viser. Mais pourquoi? Oh là là. Et non, y'a vraiment trop de monde. Oula, je suis à terre. Ouais,
là je peux pas te relever, faut que tu te relèves. Ah, je vais me relever, je vais me relever. N'attirez pas vos ennemis sur vos alliés. Bah t'es mignon mais... je les attire pas. Et meurs toi, meurs. Oh punaise. Ah t'as tué le boss, ok parfait. Ah non, il est là-bas. Non, non, il est là-bas. Je suis en train de me dire non, il me semble pas que j'ai tué le boss. Pas cette fois-ci. Je l'ai coincé en obus de... en tir d'obus. Maintenez eux pour observer. Ouais, j'ai carrément le temps là. Ouais, mais carrément, ouais. Oh punaise. Oh, mais il y en a d'autres. Mais non, mais c'est pas possible. What the fuck? Ouais, en fait, ils arrivent en, un peu en masse, là. Putain. F. Non, non, non. Te mets pas derrière. Te mets pas derrière. Te mets pas derrière. 3, 2... Meurs, toi. Meurs, meurs, meurs. Le crémateur, là. Meurs. Allez. Presque mort. Presque mort. Décède, c'est... décède. Voilà, crémateur mort. Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Il y a l'autre capitaine. Ouais, ouais, ouais. Tu peux l'occuper le capitaine ou pas? Je vais essayer. Attention, barrage anomalie. N'attirez pas vos ennemis vers... Qu'est-ce qu'il me raconte le truc là? J'attire personne. Wow, 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 putain. T'es obligé de venir me ranimer, le capitaine m'a balancé... toute sa force de feu, en fait. Toute sa haine. Ah oui, là, toute sa haine. Je crois qu'il a pas aimé ce que je lui ai fait. What? Pourquoi il m'a fait ça, là? Pourquoi? What the fuck? Ah là, le jeu, il m'a fait un truc que j'ai pas aimé. Il a fait quoi? Bah, j'ai essayé de lancer ma technique pour être en l'air et pour aller sur les mecs. Ouais. Il a fait comme s'il y avait personne. Attention, faut que je back, moi. Back. Je vais devoir back. Je dois back carrément plus loin. N'attirez pas vos ennemis. Vos ennemis. Oui, vers oui, vos ennemis. Il dit. Je sais pas pourquoi il fume ça là, le jeu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce qu'est-ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, là ça commence à devenir pénible. Ah, là c'est par chiant contre. Par contre. Je pense que le délire c'est qu'on les approche trop près de la porte. On doit les empêcher d'aller jusqu'à la porte parce que je pense que ce qu'ils appellent nos alliés, c'est les gens qui sont derrière nous, qui sont en attente. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que ça doit être ça le délire. Mais c'est très con puisque, si tu veux, la porte est fermée. Bah oui. Je fonce sur les autres derrière. Ouais. Oh putain, ça m'a retiré le golem au mauvais moment. Oh, il va me brûler, il va tellement me brûler. Il va tellement brûler. Je suis là. Merci. What? Allez, mais... Je suis obligé de marcher dans tous les sens. Crémateur mort. Désolé, on commente pas trop, hein, on se concentre. Ouais, t'inquiète, je suis... ouais, pareil. T'inquiète, c'est aux gens que je parle, pas toi. Oui. Pense à tes techniques de corps à corps, parce que ça peut te faire gagner ouais, du temps. Bah, tu... c'est ce que j'ai fait, là, parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Ouais, quand tu recharges, notamment. Ouais. C'est bon, on n'a plus que le boss. Ouais. Respiration. Ouais, voilà, ça va aller, ça va aller. Reviens vers moi, comme ça t'évites d'aller de l'autre côté. Et résistant là, attention.
putain, merde, j'ai pas fait gaffe, j'ai plus mon golem. Il prend cher. Allez, meurs. Le mec, on le collait. C'est ça. J'étais au maximum de ma concentration là. J'avoue, cette histoire de attention, n'attirez pas les machins sur les alliés et. Ah, c'est ça le stress. C'est un peu bon. Oula, c'était bizarre l'animation. Attends, pas prendre ça. Chose me dit qu'on n'a pas complètement fini. Ouais. Par contre, définitivement, je change le type d'arme. Le fusil d'assaut sniper, je déconseille. Ouais. À part si t'as une autre arme. Il est là, on est là. On peut aller. Ah oui, on peut y aller. Et donc là, on laisse la femme tranquille. Il y en a encore. Ah bon? J'avais pas vu. Excusez-moi, j'avais besoin de vie, les gars. Merci, c'est gentil, c'est très gentil. Merci pour votre vie, c'est important. Moi, j'aime bien ça. Ouais, tu peux me ressusciter. Ouais. C'est bon. Ouais, merci. C'était un peu trop juste là ce que j'ai fait. Ouais. Ouais, moi j'avoue, hein, je fais la lâche, hein, je fais ça de derrière, mais. Non, mais t'as raison. Bah, faut que j'aille sur le terrain, hein, c'est mon boulot. Hein. Ouais. Je vais attendre une opportunité par contre pour ressortir là, parce qu'il y a trop de monde. Ouais, t'as raison. Donc c'est la prochaine fois que mon golem me rechargeait, je vais faire une sortie. Pour distraire les mecs, attention. C'est bon, je fais une sortie. Ouais, vas-y. Recharge, bordel, recharge. C'est bon. Blindé est mort. Ah, tu brûles pas toi? Pourquoi tu brûles pas? T'es ni fugé ou quoi? C'est bon, tu l'as eu? Ok. Ouais. Ah, il est allé dans les flammes, ce con. Oula, c'est non, quoi? Non, il y en a encore. Oui, il y en a encore, je sais. Un tireur d'élite. Ok. Attends, je tente de m'en occuper. Je change vite fait d'arme. De là où t'es? Ouais, non mais j'ai un snipe. Je l'avais gardé en réserve. Sinon je le déloge. Hein. Viens la coquine, monte ta tête. C'est bon, je l'ai. Remets tes fesses parce que là, je suis tout seul. Ok. C'est à moi de les déloger les mecs, hein, parce que c'est moi qui peux aller directement corps à corps. Là. Pourquoi je brûle? Qui me brûle? C'est l'autre. Oh punaise. Ouhou. Normalement, c'est moi qui brûle les gens. Toi, t'as pas le droit. Ouais, mais son petit nom, c'est Crémateur, il a le droit. Non. Moi, j'ai dit non. Voilà. Louch. Ah non, j'ai cru que c'était un lance-flamme, putain, faut jouer. J'ai cru que je lootais le lance-flamme du mec. T'aurais été trop content. Ça aurait pu être cool. Ça répète pas mal. Fétichiste du cuir niveau 2, je viens de
bloqué dans les trucs. Hey, Zaidi. C'est étonnant qu'il l'ait pas appelé Curcure Moustache. Personne n'a jamais essayé de survoler la nuit. Bien sûr qu'ils ont essayé. Avant, on avait des trucs qui volaient. Mais ils sont tombés comme des... Ça s'appelle des hélicoptères. Survoler l'anomalie, c'est impossible. Passer dessous ou autour, non plus. Faut juste se mettre à couvert et prier. Ok. Okay. Je crois qu'on t'a coupé la parole. C'est intéressant. Denham, j'aperçois la tour radio. Donc l'anomalie, on peut pas la traverser, mais on peut rester autour. Zaidi. C'est ça. Donc les tempêtes d'anomalie ont grillé l'électronique, mais pas pour tout. Ils ont pu reconstruire de l'anomalie, enfin de l'électronique après. Parce que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça l'idée. Voilà, je pense... Ah non, je pensais qu'on allait attaquer au retour, mais non en fait. Pardon. Capitaine Mastodonte. Voilà. J'ai été gelé. Qui est-ce qui me gèle là? C'est lui qui me gèle? Merde. Peut-être, hein. Tu l'as gêné. Ouais. Ouais, mais j'avais lancé le truc en même temps. Ah merde. Oh putain. Pas trop cher. Oh! Non, 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 pas là, pas là. Attention, t'as une grenade sur toi. Merci parce que j'avais pas du tout l'effet en fait. Ouais, avec le froid, avec le blanc, on le voit mal. Ouais. Ah, deuxième blindé. Enfin, un autre blindé qui arrive. Du moins, je recoule un peu parce que bon, c'est pas tout ça, mais vous êtes un peu proche. Attention, si on recule trop, il va faire. Ah, non, non, non. Ouais. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. Je veux pas du tout de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça nous a TP plus loin, c'est bien. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est? Pourtant, ne te colle pas, hein. On va essayer de finir le capitaine Mastodonte. Ouais, ouais. Surgelé, toi, fais pas chier. La vache. Qui me gèle, hein? Mais meurs donc! Vache, il est résistant! Oh là 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 là! Même avec mon golem, j'ai du mal à résister. Mon gun est bien aussi, hein. C'est bon. Voilà. Mort. On dirait un vieux pervers, le mec là. Avec son masque. C'est ça, j'avoue. On dirait qu'il sort d'une séance SM. Une séance Curcure Moustache, justement. Entre moi qui venais d'avoir le succès fétichiste du cuir. Hein. Et lui avec son masque. C'est ça. Ouh, il y en a un qui arrive. Je crois qu'on tient un terme. Un thème. Un terme, c'est ça. Un terme. Yes. Back, 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 back. Ouais, je back, je back, je back. Il va mourir, le blindé. Ouais, ils m'ont... Attends! Il m'a lancé un truc alors qu'il était figé. Non, non, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Il y en a un qui est derrière. Ouais. Ouais. Là, je vais pas pouvoir t'aider. Et meurs, 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 toi. Voilà. Attention, il t'envoie encore. Putain, c'est pas possible. C'est celui qui est au bout. Il t'envoie le mortier. Ah, ok. Hop 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 hop, je cours. J'ai plus de mission. Merde, j'ai plus de mission. Ah oh, putain, il a rechargé. Viens, viens, nickel. Raté. Faut vraiment les toucher sur les points faibles. Hein.
Ouais, ouais. Presque mort. Ouais. Voilà, planté. Voilà, nickel. T'as aimé ça, mon coquin? Hein? Saloperie. Faut que je bouge. Il y a encore des insurgés, je pense, non? Non, non, c'est ah, bon. Non. Oh, on les a démontés, les mecs. Hein. Oh, on est bon, moi. Après, que des blindés et des capitaines et tout ça, bon. Envoyez le funiculaire. Je crois qu'on n'a pas fini la zone, attends. On est là. Ah si, on a fini, ok. On a fini okay. Attends. Non, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que le funiculaire, c'est ça. Alors, ça connaît la connexion, sommet du bunker. Non, non, je pense qu'on est au bout, J'avais l'impression que c'était, ça notait en fait les trajets des funiculaires sur les pointillés sur la carte. Ah oui. Par contre, ça c'est pas rassurant. Pas du tout. C'est l'araignée qui est venue jusqu'ici peut-être. Quoi qu'ils auraient pas survécu les gars à côté. Ou alors ils ont passé un pacte avec l'araignée. Contre leur vénération suprême, l'araignée les laisse en vie. C'est ça. Freur. J'ai libéré le funiculaire. The Cable. Je sais pas ce qu'il est marqué, mais c'était pas français. J'ai pas vu. C'était FR Use The Cable, je crois que c'était marqué. Si votre d'accord. Fonctionne et si cette tour radio nous mène jusqu'au signal, nous pourrions peut-être contacter le Flores. Évidemment, ça changerait tout. Une chose après l'autre, Doc. Commençons par vous faire venir ici en un seul morceau. Oui, ouais, première étape. Plus personne. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore un planqué dans un coin. Il était caché. C'est ça. Il était caché derrière un serveur informatique. Il va faire coucou, Blatch. Attendez, le signal, c'est... Non, on est trop loin. Il y a trop d'interférences de l'anomalie pour avoir des coordonnées. Mais j'ai une direction. T'as pas l'air sûr quand même. Non. Oui. Traduction. Quoi encore? C'est dans la forêt. Ou quelque part au-delà. Qu'est-ce que vous me cachez? Personne n'est jamais revenu vivant de la forêt. Ouais, je me doutais bien que c'était un truc du genre. Peut-être qu'un village dans la forêt, les gens, ils y vont, ils reviennent plus après parce qu'ils y sont bien. C'est ça. Quelque chose sous le signal. Ils sont tranquilles. Bah oui. On dirait... Une voix. Quoi que ce soit, il faut qu'on se dépêche. Yakel, prépare le camion, on va vers la forêt. La forêt? Bah tiens. Foncer vers un territoire sauvage inconnu où pousse un vieux champignon qui critifie les boyaux, c'était justement sur ma liste de trucs à faire aujourd'hui. Putain, si je gagnais un centime pour chaque idée de merde... On va se passer de la radio quelque temps, je crois. Ouais, parce qu'on va l'avoir pendant tout le trajet. Oui. Je viens d'avoir une idée. Si ça se trouve, l'anomalie, ça crée des failles temporelles puisque l'illusionniste, il utilise les pouvoirs spatio-temporels. Et si ça se trouve, en fait, la balise et la voix qu'on entend, c'est distordu. Si ça se trouve, c'est quelqu'un dans l'espace-temps qui envoie un message. Peut-être. Peut-être qu'il y a une idée derrière comme quoi... Il y a quelqu'un qui est allé via l'anomalie dans le passé, qui a laissé le truc allumé. C'est pour ça que c'est les mecs qui disaient quand ils sont arrivés, c'est incompréhensible qu'il y ait déjà une balise. Peut-être parce qu'en fait, elle était là. Elle a été envoyée du futur. C'est possible. Tout est possible, en fait, hein, là. Et si ça se trouve, c'était une balise que quelqu'un a envoyée pour prévenir de ne pas venir sur la planète. Mais je sais pas s'ils ont eu... autant d'idées. Bonjour, bonjour. Ah, une dernière petite quête pour la route. Ah, bah cool. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Dis-nous tout. Ces pouvoirs. Ce que je peux faire, ça n'a absolument aucun sens. Personne n'a tenté d'étudier un altéré, essayer de comprendre comment, pourquoi. Ce genre d'opportunité ne se présente pas tous les jours. Si vous vous proposez... Je propose rien, non. Il y a quelqu'un
connu pour avoir étudié pas. D'autres altérés, mais... violemment. C'est un altéré qui a conduit un très grand nombre d'expériences. On l'appelle... l'alchimiste. Tadam. Personne ne s'en approche, mais... son laboratoire est enfoui dans ces montagnes. Si vous le cherchez, faites attention. Mais, bien sûr, je serais vraiment curieux de savoir ce que vous trouverez. Des méchants, je pense. Ça marche. Montrez-moi. Je pense qu'on va affronter notre premier altéré. Folie. Oh oui. Retournez dans la forêt. Vous allez mourir, Abraham. Parle de toi à troisième personne. C'est inquiétant. La méthode scientifique. On va enfin voir un autre altéré. Depuis 7. Oui. Bon alors, faut pas qu'il nous chope, hein, parce que sinon il va faire des expériences sur nous. Je sais pas, il a peut-être fait des expériences sur lui-même. Il a l'air d'avoir fait des expériences sur les autres. De ce que nous disait... Il est dit sur les altérés en général, mais je sais pas si c'est... c'est spécifique à lui ou c'est... Oula ! Il y a la même sorte de toile qu'il y avait sur les... sur le mec, tu sais, qui avait été touché par la... l'espèce de boue noire. Tout à fait. Oh oh. Il y a quelqu'un qui queen. Ça donne pas envie de te libérer de là tout de suite. Ouais, là tout de suite, non. Votre corps calciné. Dégagez le laboratoire. Derrière toi. Y a des... encore des araignées. Oui, t'avais raison. Ça se trouve, maman araignée, c'était... C'était un altéré. C'est ça. J'allais dire, en fait, c'était l'altéré. Et des perforos maintenant. Ah, il y a des perforos aussi, tiens. Ouais. Venez mourir, s'il vous plaît. Ouais, j'adore. L'empalement, ça m'éclate. Ouais. J'avoue, c'est rigolo. Récupérer la clé. Ah là. Excusez-moi, madame. Non, elle est là, ici. Et un journal. Servant de prisonnier de guerre comme rat de laboratoire. Pourquoi ça ne me surprend pas? Ouais, prisonnier de guerre. Entrée du journal. Définissons. Sur cet alchimiste. Il y a quelques années, je suis prisonnier de guerre. Apparemment, l'ancien président Nyberg finançait les expériences de l'alchimiste. Ils espéraient créer une arme pour vaincre les insurgés. Mais quoi qu'ait conçu l'alchimiste, le CA a pris peur. Président Nyberg. Détails classés secrets. Ok. Ils avaient un président? Ouais, comme ça. Ok. Donc il y a quelqu'un, il y a une haute autorité qui avait survécu certainement? Très très certainement. Pourtant l'autre elle disait que c'était la dernière des officiers. Pas tellement sûr qu'elle nous ait tout dit. La trappe ici. Oh, un petit alpha. Bonjour. Oh là là, 400 bam dans sa tête. Ah, attention, il y en a un deuxième. Il devrait courir. Ouais. T'es en train de t'enfermer là, attention. Ouais, je voyais pas trop le mur du coup. Je vais après tout. C'est pour ça qu'il faut toujours tourner autour des mecs. Ouais. J'arrive à t'aider. Il est mort.
Oui. Il y a des petits. Attention le perforo, ouais. Ah putain. Voilà. Ah, il se met un truc de résistance. Quand il fait son truc bleu. Oh, il avait une petite clé sur lui. Oh, c'est mignon. Ce qui confirme bien que c'était des anciens humains, je pense. Ouais. C'était le gardien des clés. Ça. Je suis le gardien des clés. Autre journal. Cet alchimiste a passé des années à faire des expériences sur l'anomalie. Il capturait des soldats, les clouait à des croix dans la tempête, les laissant en proie à l'anomalie. Il les essayait d'en faire des atterrés. Sympa. Des armes vivantes. Non. Au final, je pense qu'il tentait d'inverser ses effets. De redevenir humain. C'est triste. Ah, peut-être que lui, il voulait... Ouais. Ouais. Je me suis dit, si ça se trouve, il fait des expériences pour pouvoir devenir lui-même après un altéré. En fait, non. Peut-être qu'il a essayé de se soigner. Je pense que les altérations ont eu des effets différents. Oui. Je pense aussi. Ne pleure pas. Parce que quand on voit Seth et quand on voit l'altéré qu'on a affronté au début dans la centrale, ils étaient Seth est quand même bien transformé, même s'il reste encore à peu près humain. Mais le mec dans la centrale était quand même bien altéré. Ouais. Alors que nous, on est resté normaux. Je pense qu'on a été les plus chanceux en termes d'altéré. Oula, c'est rouge ici. Après, on est peut-être chanceux là, hein, mais peut-être qu'on a une altération qui est pas bien du tout et qu'on sait pas encore. Peut-être des choses qu'on maîtrise pas encore. Peut-être qu'on va se transformer après. Ouais. Petit à petit. Hop là. Bonjour. Joli ralenti. Reste là, c'est bien. Le nombre d'altérations qu'on lui a mis dans la tronche. Ah ah. Vache. J'espère qu'il souffre. Il y en a d'autres. Mais non, il y en a pas. Eux, c'est juste des mignons, ils veulent nous faire des câlins. Les gars, laissez-moi prendre le loot, s'il vous plaît. Touchez pas à Trazia, y'a que moi qui peux la tuer. Oh, hey. Ça va pas, hein. Personne me tue. Si, moi. Non. Pourquoi vous me visez? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je suis toute mignonne, moi, pourtant. Parce que moi, je suis trop solide. Parce que t'étais surtout plus loin. Non, parce que je suis trop solide. T'arrives derrière. Merde, il s'est protégé l'autre. Ouah, je vois plus rien. J'étais dans le noir pendant un moment. Ouais, il y a une fumée. Ouais. Je suis sorti de la fumée là parce que c'était un petit peu délicat pour moi. Bon, j'aime quand même pas le tir en rafale. Hop. Je déteste le tir en rafale. Ouais. J'aime pas du tout. Bah disons que tu maîtrises pas aussi bien. Ouais, j'ai l'impression d'être là à cliquer tout le temps. Ouais. J'aime pas. Sa sensation, j'aime pas. J'ai pris le texte avant toi. Je les lirai après moi de toute façon. Je sais pas lu. Je sais. Qu'est-ce que c'est que cette chose?
Examiner le corps. What? Attends, what? Attends, on va faire le tour. Oui, plaît-il? J'entends des voix obscures qui font... Bon bah go. C'est peut-être lui? Imagine, il s'est transformé en statue. Ouais. Et depuis toutes ces années... Oula. What? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas non plus. Qu'on me tire des ténèbres. Faire de moi un pantin. Je crois que c'est Moloch ça. Comme si vous étiez mon dieu. Vous avez fait des tests sur moi. Ah. Comme sur un rat. Ah, il est testé sur Moloch. Vous me rejetteriez dans les ténèbres. Non. C'est vous. Avec la marque des ténèbres. Et ceux qui se font passer pour des dieux. Ah. Aïe. Aïe, aïe. Très bien, très bien, très bien. Donc c'est l'alchimiste. Zaidi, ouais. J'ai trouvé l'alchimiste. Il a été tué à coups de fer à béton, puis brûlé. Ou... Bah on a entendu sa voix. Les insurgés l'ont trouvé? Non, un de ses sujets de test. Le sujet 6. On dirait qu'il a survécu aux expériences de l'alchimiste. Et il n'avait pas l'air. Mon dieu, il est temps de rentrer à Outrider. Mais je crois qu'il est pas mort, le monsieur. Tu penses qu'il est pas mort? Moi, je pense qu'il est mort. Mais... Ah bah non, on a entendu sa voix. Ah oui, c'est vrai, tu me diras, on a entendu sa voix. Ou alors c'est son esprit qui est là. Je sais pas. C'est comme ils disent qu'ils sont immortels et tout ça, je me dis que si ça se trouve, si c'est comme les vampires, si tu retires le pieu, peut-être qu'ils se régénèrent. Oui, mais on peut pas retirer le pieu, on n'a pas la capacité physique de le faire, a priori. Parce qu'il est toujours illuminé, hein. Oui, il est toujours illuminé. D'ailleurs... Voilà. Je peux lui faire des dégâts. What? Tente. Je me pousse, hein. Non, je peux lui faire... Regarde, il y a du sang quand tu tires dessus. Ah! Il y a du sang par moi, terre. Moi, il y a rien. Vas-y, tire dessus. Ah oui, exact. Ça y est, j'ai vu. T'imagines à quel point ça doit être horrible. T'es coincé et tu brûles perpétuellement. De toute façon, qu'il soit là à l'état de statue ou juste esprit, c'est sûr que c'est ça, soit l'un soit l'autre. Il est là, le mec, encore. Enfermé avec les bébêtes. C'est ça. Bon, après, avec il a fait ses sujets d'expérience. Ouais, il a fait des expériences sur plein de gens. Après, bon, est-ce qu'on peut vraiment le pleurer? Je sais pas. Pas sûr. Ah, c'est... Bon. C'est moche, quand même. L'alchimiste? Qu'avez-vous trouvé? Rien du tout. Un fantôme? Juste un autre taré qui a payé pour sa curiosité. C'est concis, mais c'est à peu près ça. C'est ça.